station fréquence, les bosses 13-51 vous tous de la part de Daldi 33 et bonne journée. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui a des infos là sur les grèves? Et bonne 73 à toi, Scooby-Doo, comment vas-tu? Très bien pour un lundi. Pour un lundi ou pour un mardi? Pas pour un mardi, excuse-moi. Un chi trois coups. Bon alors, j'ai entendu à la télé là qu'il y avait quelques grèves là par-ci par-là justement par rapport à la loi travail. Alors qu'est-ce que ça donne de ce coup-ci par chez nous là, ça bouge un peu? Apparemment, ouais, sur Sestas, Bruges et Bazor. Ah d'accord. Alors je m'attendais à me retrouver bloqué là sur le pont d'Aquitaine, ça aurait été normal, on va dire. Et puis là, y a rien, quoi. Moi, je serais plus tard, la rocade. D'accord, ok, bah c'est bon, ça. Parce que c'est sûr qu'ils ont raison, hein, à quand même pas se laisser bouffer jusqu'au bout, comme ça, par des trucs, là, du grand n'importe quoi, quoi. Ça, c'est pas qu'on parle 1400 euros, là, par an, quand même. Ouais, effectivement, ouais. Je suis pas concerné, moi je vais faire des navettes au centre-ville. Ok, d'accord. Oh, quelque part on est quand même tous concernés. Hein. Je suis pas routier, mais ça fait rien, ça concerne le travail quand même, quoi. Mais peut-être que les gens passent à 10% et que les patrons peuvent nous virer facilement, excuse-moi, et moi je n'accepte pas ça. Ah mais de toute façon, pour moi, c'est ça va être pareil aussi. Hein. Non mais c'est sûr que là ce que nos grands-parents ont réussi à avoir, là on se les fait complètement bouffer jusqu'au bout. Là. Demain, pour nous dire, est-ce qu'il y a des effets quand même? Faut pas oublier ça non plus. Hein. Attends, là je suis en train de passer les vitesses. Ouais, non mais c'est sûr que là, il faut qu'ils retirent ça. Hein. Il faut qu'ils retirent ça, on peut pas accepter ça, c'est pas possible. Le problème, c'est que les Normands ne comprennent pas pourquoi on fait grève, c'est ça le problème. Attends, j'ai pas compris. Hein. Désolé, je te perds. Ok, tu me perds, pas de problème. Les 2351 à toi, la bonne journée, j'arrive là au niveau du lac. Et bah peut-être à demain, on sait jamais. Ça va, je m'en vais sur les quais là. Ah oui, bah tu m'étonnes, avec les bâtiments et tout là qu'il y a, bah oui, effectivement, ça, c'est normal que tu me perdes. Ok, voilà, je suis en train de passer entre les deux stations ESSO là. D'accord, merci pour ces petites news là concernant les grèves, c'est bien intéressant. Et bonne journée à toi, à plus. Et à toi aussi, bonne journée sur Prudent. Oh oui, moi je sors à Mérignac et je passe dans les environs là en ce moment là par là-bas. Ok, merci, bonne journée, à plus. Quand on a une nouvelle, 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 on a une nouv
J'ai mangé mes 5 chocos ce matin et il faudrait que ça pousse à midi. Petit café des pauvres et puis voilà. Alors, pommes, fruits et tout, hein, parce que là, sans déconner, le matin, à plein plateau. Hein. J'ai du Nutella, mon vieux, à la cuillère. J'en ai pris des pains à bol. Oh, ça, je me suis coincé. La vie n'est pas trop chère. Ah ben c'est... Si tu veux, ça va être compliqué pour eux. Parce que si tu veux, ils font partie de l'Europe. Ça y est, la Croatie fait partie de l'Europe. Mais ils ont voulu garder leur monnaie en attendant. Donc ils sont reculants. Ils gardent leur monnaie. Là directement, ça revient moins cher. C'est comme si c'était revenu en France. Donc ils n'ont pas des prix exorbitants. Quoi. Ah ouais. Et en 2020, ils vont passer à l'euro. Donc leur monnaie va disparaître. Ils vont passer en euro. Et là ça va faire mal. Et d'abord, les salaires en moyenne, c'est 600 euros. C'est bon, c'est ouais. Et Yougoslavie, enfin la Bosnie, hein, c'est 300 euros par mois, disons. C'est pas cher, 50 euros.
Mais c'est moins cher, parce qu'il y en a un gars, moi j'ai loué la bagnole pour 1 euro la semaine. C'est encore moins cher. Par contre, faut que tu mettes de l'essence. Hein. Mais t'as pas de pression.